Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je fais cette vidéo avec beaucoup de courage. Je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai pas eu vraiment. Et là, je fais vraiment avec beaucoup de courage parce que je veux parler, je veux m'exprimer, je veux qu'on entende ma famille. Parce que là, je suis la fille du colonel Pépé Célestin Bilouvegui qui est décédé récemment. Mon père a été arrêté en novembre. Pourquoi on a arrêté, nous ne savons pas. Il a été arrêté et depuis, on n'avait pas de nouvelles de lui. On ne savait pas où il était. Pourquoi on l'a arrêté? Non, on ne savait pas. C'est après quelques semaines qu'il y a eu un décret. On se disait au moins, on était un peu soulagés parce qu'on se disait au moins, il peut être dans la main des autorités. Et que. On ne savait pas ce qu'il a fait, mais on se disait, bon, ça peut être un pays de justice. Peut-être, il sera jugé et tout. Mais après, toujours pas de nouvelles. C'est resté comme ça pendant des mois. C'est en mai qu'on a vu un décret aussi. Un décret sur les réseaux sociaux qui disait que les autorités n'ont rien à voir avec. Donc, c'est comme s'il considérait comme porté disparu. Donc, il n'a pas été arrêté, mais porté disparu. Après des mois, on avait un peu peur, mais on gardait foi. Jusqu'à le mois de. Fin septembre, le 27 septembre, quand on nous annonce sa mort. Et là, on se disait, bon, tout compte fait, ce qui est arrivé, il est décédé. Au moins, on va l'enterrer, remettre tout dans les mains de Dieu. Mais. Depuis le 27, bientôt le 27 septembre, bientôt dans quelques jours, nous serons le 27. Le 27 octobre, on n'a toujours pas le corps de mon père. Tout a disparu. On nous a juste annoncé sa mort d'une manière. Et après, rien jusqu'à où on est. On n'a pas le corps. Et depuis, on a, comme je disais, qu'on n'a plus de nouvelles de lui. On n'a pas son corps. Nous, on veut l'enterrer. On veut lui dire au revoir, au moins pour une dernière fois. On veut le corps. On demande que le corps de mon père pour l'enterrer. Tout ce qu'on demande, de nous remettre le corps de notre papa et qu'on puisse l'enterrer. Aidez-nous à retrouver le corps de mon père. Aide-nous à retrouver, qu'on puisse faire l'enterrement. Tout ce qu'on demande, s'il vous plaît, on veut enterrer notre papa. On veut lui dire au revoir pour une dernière fois. Thank you.